Bonjour et bienvenue sur Benzaï Live pour Wave Race Blue Storm, un jeu dont je me souvenais qu'on pouvait contrôler, voilà. On pouvait déjà faire des petites vaguelettes à l'intérieur de l'écran titre parce que, mon dieu, que la texture de l'eau et les mouvements de l'eau étaient très très beaux pour l'époque. Un jeu de lancement de la GameCube qui va donc sur ses 16 ans, 17 ans je veux dire. 17 ans, ce jeu va être majeur, ok? Donc soyez gentils avec lui. À quoi ça ressemble? Bah déjà on va faire un petit free roam pour s'amuser un petit peu avec le moteur du jeu. Je sais plus du tout qui c'est que je jouais, je crois que je jouais ce machin. Sapiao, ils sont insupportables. Les personnages n'avaient pas de gueule. Mais il faut bien dire un truc, c'est que les décors, eux, ils en avaient. Et que ce jeu, voilà, je me souviens surtout d'ici là. Ça tourne sur GameCube, on est sur 145 de cubes. Et ce jeu-là, c'était le Sea of Thieves de l'époque. Ce jeu était vraiment pas vilain, c'est juste que... Est-ce que j'étais vraiment saucé d'y jouer? Moi, je l'avais plus à l'époque parce que j'avais trouvé d'occasion, d'ailleurs, je crois. Je l'avais pas acheté à sa sortie. C'est vrai que Wave Race 64, pour moi, c'est pas la vie. Parce que j'ai pas eu la 64 à l'époque non plus. Et du coup, j'étais juste curieux. Alors, du coup, je ne me souviens même plus où est le bouton sur le turbo. Et voilà, le turbo est sur... Le turbo est sur Z. Bon, maintenant, on sait. Le jeu est un peu en overscan, donc je sais pas pourquoi la capture ne montre pas le truc. Mais alors, par contre, ouais, ces mouvements de caméra et tout, enfin, ces mouvements de l'eau, c'était un jeu qui, moi, me donnait une impression, dans la bouche même, de fraîcheur. C'était un jeu que je trouverais littéralement rafraîchissant, quoi. Je sais pas, c'était assez indescriptible. Genre, j'avais jamais vu des effets d'eau comme ça, où l'eau avait l'air autant mouillée derrière mon écran. Il y a eu une. Il n'y a eu qu'un seul concurrent vraiment sérieux sur PS2 qui était Splashdown, qui est d'ailleurs là. En fait, il se trouve que Christian l'avait. Les jeux de Christian là sous le coude. Ce Splashdown qui avait une texture plus jolie mais des effets moins beaux. Donc il y avait deux écoles. Mais bon, en même temps, pas de Wave Race 60. Putain, mais je suis vraiment de l'air, j'arrive même pas à prendre un seul module quoi. Ah, les petits plic-plocs sur la caméra et tout, hein. Ça faisait un café, mais d'enfer. Voilà, et tu pouvais faire des tricks comme ça. Mais comment tu faisais un tonneau en l'air? Enfin, je me souviens qu'il fallait faire des cercles complets pour se mettre sur le truc. Hop, comme ça, là, voilà. Après, tu maintenais et tu conduisais vraiment à l'envers. Et par contre, là, tu marquais des points en crise. Tu pouvais activer ton truc, ça faisait la même voix que sur 64. Bref. On était en free roaming, calmez-vous. On va jouer au jeu. You got it. Voilà, il y avait des trucs plus en mode trick style, d'autres plus en mode accélération. C'est vrai que tu avais le temps aussi qui pouvait influer. D'ailleurs, la pluie était magnifique sur ce jeu. Donc, c'était une belle démo technique pour la GameCube. On rappelle qu'elle vient juste de sortir quand ce jeu sort. Et puis, un petit jeu qui. On rappelle, il n'y a pas de Mario Kart, il n'y a pas de Burnout, etc. Donc, le jeu un petit peu sportif, un petit peu fraîche, un petit peu sport extrême. Même si les jeux de sport extrême sont un peu en désuétude sur cette génération-là. Ben, c'était Wave Race. Je crois savoir qu'il y avait un... Je crois me souvenir qu'il y avait un... Enfin, je suis totalement rouillé. En fait, il y avait un système de...
Oh là là, il y avait un système pour braquer quand tu... En fait, au lieu de faire droit, droite ou gauche, tu faisais diagonale. Et du coup, putain, genre... Je m'en souvenais pas d'aussi dur. En fait, c'était autant la galère, quoi. En fait, les vagues te rattrapaient vraiment, quoi. C'était, ça déconnait pas du tout. Et bien sûr, il fallait prendre. Oh là là, mais quelle horreur! Mais j'ai l'air d'un con comme ça! Ah, c'est un fiasco absolu! Ah, le gameplay du jeu était vraiment particulier en fait. Dans ma tête, c'était tout simple. Parce que j'avais maxé le truc à l'époque, mais. On va essayer de rattraper. Toutes les positions, mais on va prendre un personnage qui sait mieux qui est. Mais ça sert à rien là. Faire des trucs. Mais par contre, non, mais la fluidité du jeu était juste au top. Bon, on finit deuxième, c'est pas mal. Évite les raccourcis dans le sable. Putain, là, vous arrivez encore à entendre le sifflement? Merde. Non, mais c'est la Péritel qui fait ça. Et là, putain, je l'entends même pas. Là. C'est la Péritel qui est plus ou moins bien installée, quoi. Jet Set Radio raté. Mais Jet Set Radio, c'est même pas un jeu de course. Qu'est-ce que tu racontes? On se calme. Ah, je suis désolé si ça vous perturbe. Bon voilà, on va pouvoir faire un vrai truc. Le curseur te dérange. On va jouer avec Ricky. Lost Temple Lagoon. SSX c'est pas sorti à la même époque. SSX c'est sorti fin 2000. Welcome to Lost Temple. Quasiment lancement de la PS2. This is day one of the circuit. Celui-là est sorti fin 2000. We have an absolutely gorgeous. Ricky, jump on it right when the light turns. Le décor était absolument magnifique. 3, 2, 1, go! Please. Voilà, là, en fait, je crois que le gamin est quand même un peu plus maniable que les autres persos. Et voilà, je fais de la merde. En fait, si tu prenais trop de façon trop abrupte le truc, sachant que ça tourne pas, c'était pas en train d'accélérer. Donc du coup, ça crée des soucis. Je fais des tricks, je sais pas pourquoi. Je crois savoir que ça ne sert à rien. Putain, non mais je braque trop comme un enculé. Je suis tellement habitué à faire cette putain de diagonale que... Oh, je suis déjà passé 7ème. Là, normalement, un perso aussi maniable que ça, tu fais droite-gauche, et puis terminé. J'ai gagné le jeu. Oh là là, mais quelle merde! Allez, utilise-le! Voilà! Ça va bien se passer! Alors, effectivement, ce Wave Race n'aura pas marqué non plus toutes les mémoires et tout, c'est pas le jeu qui est réclamé à tort et à travers quand on cite la GameCube, mais il a le mérite d'exister. Il y a le mérite que je sois troisième, il y a le mérite que je n'utilise pas mon turbo, il y a le mérite d'être sponsorisé par McDonald's, et il y a le mérite d'avoir été pendant un temps une belle démo technique de la GameCube. Et un jeu, ma foi, tout à fait potable, comme l'eau.
Mais je ne sais pas quelle note il a eu celui-là. Ce serait marrant qu'il ait eu une meilleure note que Smash Bros quand même. Vu que le temps a rendu son jugement quand même. That's done. You're in the next race. Ouh! J'ai réussi à gagner suffisamment de points pour continuer le... Ah, du coup, comme demain... Ah, voilà, c'était ça. Comme t'avais la météo, tu pouvais choisir sur quel circuit t'allais pour te dire, je vais garder tel circuit en pluvieux. Ça, c'était marrant. Ça, c'est 17 sur 20 sur JVC Mini. Mais non, mais regardez. Vous dites 17 sur 20 ? 16, moi. Welcome to Aspen Lake. Ah ouais, aujourd'hui il y a du brouillard en plus. Ah ouais, ça fait pas semblant. Ah, le brouillard ne fait pas semblant. Et en fait, quand tu utilises le turbo, t'as trop l'impression que c'est une voix enregistrée, mais tu vois, genre pas la voix du perso que t'es utilisé. Allez, je loupe une bouée, allez. Allez, on loupe deux bouées, allez, c'est parti. J'aime plus ce que ça fait de faire les bouées. Je m'en peux oublier. Non, c'est que t'as pas le droit de louper plus. T'as pas loupé plus de 5 bouées pendant tout le terrain. Ah voilà, le truc se libère. Là, si j'avais le turbo, j'aurais pu prendre le raccourci. Oh là là. Non, par contre, l'eau c'est magnifique. Le rendu de l'eau est absolument fou. Ce jeu a 17 ans. Turbo time. Oui, la météo dynamique était vraiment très cool. Ok, d'accord, donc là je sais pas comment on peut prendre plus mal ce truc, et voilà, et c'est terminé. Je pensais que j'avais le droit à 5 et après c'était mort. Mais du coup c'était logique que ça allait me foirer. J'ai le don du foirage, ouais. Du coup, ma carrière est finie, voilà. Voilà. Mais il y avait d'autres styles de jeu, notamment le stunt mode. Il fallait faire des tricks. Et Bidule était très fort en tricks. Regardez, on va regarder un autre, un niveau qu'on connaît pas. C'est celui-là. Aussi bon qu'à Mario Kart. Non, mais faites pas chier. J'ai de bonne humeur. Welcome to Ocean City. 3, 2, 1, go! J'ai oublié où était le truc. Donc là, faut faire un maximum de tricks. Mais pourquoi il utilise le booster comme ça? Je vais pas utiliser ça. Ah non, c'est des trucs exprès. Je suis très mauvais. Il se casse la gueule comme un con et il fuit son turbo. Arrête de faire ça, mais qu'est-ce qu'il est... Putain, mais j'ai aucun contrôle, quoi. Qu'est-ce que je dois faire, là? Ah, le checkpoint. Ah oui, d'accord. Bon, je pense que... Ça aurait été bien de refaire le tutoriel. Checkpoint.
Oui, c'est que ça, c'est un peu spécial pour moi. Ah non, mais c'est... C'est qu'en fait, c'est pas un jeu de bagnole, genre tu peux pas juste faire droite, gauche, et puis va à droite ou à gauche, genre en fait, les vagues te transportent tout le temps, et il faut recaler un petit peu, genre... pas gauche sur la droite, genre en utilisant la diagonale, l'angle mort et tout, et j'ai tout perdu, quoi. J'ai tout perdu. C'est un fiasco. C'est un énorme fiasco. Les vagues gauche-droite, ça fonctionne pas, la manette est cassée. Non, mais je te jure. Allez, là on peut faire un time attack sur Southern Island notamment. C'est bien que j'ai pu retrouver, j'ai pu mes sensations. Elle joue tellement à part, ouais, en termes de contrôle. 3, 2, 1, go! Les tricks, j'ai jamais compris l'intérêt, mais... On est en time attack. Ça sert à rien de faire le fou. Je me retrouve au bout du ski. Les vagues étaient magnifiques. Les vagues étaient vraiment fantastiques. Depuis tout à l'heure, j'aurais pu utiliser mon turbo. Gros time trial, hein. On se casse la gueule, très bien. Ah oui, et comme l'eau monte, petit à petit, t'as les raccourcis qui se... Ah non, l'eau descend. Et du coup, maintenant, tu passes en dessous. Oh, par contre, putain, tu pars dans l'espace. Ah ouais, non, mais... Alors je pense que ça m'aurait pas fait de mal de refaire le tutoriel avant, avant de commencer à jouer parce que là c'est assez ridicule. Là t'avais même un raccourci quand tu traversais. Ou alors en free roam. C'est vrai que les courses en trick sont différentes. Ah mais là tu te casses pas la gueule. Bizarrement, de pute. T'as distinctement voir Rage Quit est retourné sur Mario Kart 64. Bah le Wave Rush 64 il se contrôle d'ailleurs hein, vraiment beaucoup pareil. Mais non, sauvegarde pas le ghost, non mais non. Ghost. Garde pas ce ghost. Mais attends, il y a peut-être moyen de choisir le truc là. Je ne sais pas en fait qui jouait. Je sais pas. Let's go! Let's go! On peut pas choisir le... Bizarre. Et le mode tutoriel. Et le mode héros. On va réessayer quand même un petit championship avec Sergio là. Et je vais essayer de tout donner. Allez, on commence directement par le hardboard, comme ça on le fait. Comme ça, si j'ai un game over, eh bien tant pis.
Non, les C6, j'y ai pas trop joué parce que j'étais. Le seul jeu de snowboard que j'ai bien aimé, c'est Six of Slider. Du coup, le border, ça m'a jamais intéressé. Bon, c'est sorti. Mais. Oh, de base, hein, les jeux de sport extrême. Je joue à Tony Hawk comme tout le monde. Quoi? Ah oui, d'accord, c'est à gauche, mais pas trop. Tu es con. Ah, mais regardez, il fonce comme un con! Oh non, mais c'est tellement la violence en fait des bouées quoi. Good job. L'autre gauche. We're about 2 seconds ahead. Oh! On peut même plus se gratter! Il n'y a pas de retry, hein. Je ne peux plus skip de bouée. Non, reviens. Non, mais non. Oh, ils sont trop, ça tombe pas assez. Ça va pas trop loin. Live. Ne jamais se gratter une couille en jouant. C'est ce que nous retient.